Merci Yanamu et bienvenue pour le cinquième épisode d'Anno Online Oh yeah Donc, euh, nous, nous nous étions arrêtés au niveau bah, des chantiers navals, tout simplement. Hein. Donc vous pouvez voir qu'il y en a maintenant deux qui ont poussé. Euh, une où c'est que je produis donc des voiles, l'autre c'est que je produis des poutres. Euh, D'ailleurs je vous laisse admirer le stock que j'ai, voilà, hein, tranquille ou pépère. Ensuite donc, au niveau des bateaux. Alors les bateaux, du coup on va passer par là, ils sont là les bateaux. Donc j'ai le navire au trésor qui ramène jusqu'à présent des pierres et du cidre, le petit navire de trésor que j'envoie bah, de façon régulière. J'ai un navire explorateur qui m'a ici trouvé une île en oh et donc j'ai un navire de colonisateur qui va aller coloniser la nouvelle île tout simplement. Euh, donc je vous ai pas montré ça en direct, c'est bien dommage. Euh, je pense que je referai des actions sur chaque bateau et tout ça pour bien vous montrer euh, comment il faut faire. Euh, et donc ben voilà qui va démarrer ce cinquième épisode euh, donc c'était une petite on va dire entrée en gamme puisque donc je vous reprendrai demain parce qu'elle est un petit peu tard euh, avec donc la, la colonisation de la première île oh yeah euh, dans mon chantier naval j'ai également produit un petit navire de transport parce que je me suis dit que ça pourrait servir hein, à mon avis à juste titre je sais pas pourquoi, une petite, une petite pensée comme ça, voilà. Euh, pour produire des voiles en masse, j'ai développé les élevages de moutons, à fond les ballons, hein, voilà, hein, vous pouvez voir qu'il y en a là. J'en ai mis 5, ce qui m'assure un stock assez euh, conséquent. Donc vous pouvez voir qu'ici, bon, je vais utiliser la farine hein, pour avoir à balancer les boosts. Mais là donc, euh, j'ai une, pro une production à hauteur de 180 et j'ai une consommation uniquement à hauteur de 90. Euh, donc je produis 90 zylènes par heure, c'est peut-être un peu beaucoup d'ailleurs. Euh, au niveau de garde-manger, vous voyez, je viens de balancer la construction de 27 gâteaux, euh, machin, truc, mûche, là, euh, histoire de dépenser de la farine, tout simplement, et donc de faire marcher ma bléiculture, voilà. Hein. Euh, quand je vous disais qu'il mettait du bois partout, regardez-le, celui-là, là. là hein, il est planqué au milieu de son chemin. Ah, c'est de la pierre, en plus, c'est ballot. Euh, pour les habitants, je parle. Hein. Tiens, encore un, là, au milieu des chemins. Non, non, non ces trucs-là, ils apparaissent partout étant donné que je suis full en pierre, ça va directement dans l'inventaire euh, vous pouvez voir ça ici d'ailleurs, vous hein, savez que j'ai mes voiles, j'ai le cidre donc j'ai 80 cidres, j'ai 75 pia du coup, Puis que, vu que le navire de trésor m'en a ramené 30 euh, donc j'ai un petit peu de chocolat hein, voilà, histoire de pouvoir booster à mort, j'ai beaucoup de bois euh, j'ai quelques gâteaux, un petit peu de lait, du poisson, bref, j'ai un temple de la Vierge Marie Oh yeah, euh, je sais pas du tout à quoi ça sert, mais bon voilà, hein, si je passe les trucs un par un, donc vous pouvez voir ici les pièces pour bateau, ici donc bah, les améliorations, j'ai des haies, des trucs du machin, ici les boosts pour booster mes bâtiments de production, actuellement j'en ai pas du tout besoin, ici les ressources, 19 000 euros en réserve, euh, du cidre, un petit peu de lait, beaucoup de poissons, tout va bien, et au niveau de général, ben bah, voilà ce que ça donne, hein, tout simplement. Hein. Et vu qu'il n'y a rien à fusionner, ben il y a rien à fusionner. Bah, fusionner. C'est quoi ça Ouais bon, ça sert absolument à rien Bref euh, Après donc la ville n'a absolument pas progressé. Euh, il faut savoir que bientôt il va y avoir une opération grand déménagement que je vous ferai en timelapse. Euh, en bref j'attends juste de débloquer euh, le marché niveau 3. Hein, vous pouvez le voir directement sur le wiki si vous le souhaitez. Euh, pour ben, pouvoir réorganiser tout ça ici directement en fait, puisque c'est ici finalement que je vais concentrer l'ensemble de mon corps de population. Donc prendre toutes les résidences de vassal, toutes les mettre au milieu, etc. Et petit à petit, vraiment, faire un arrondi avec les résidences de pionniers qui seront aux extrémités. Et du coup, ici, en fait, ça va être toute la partie vraiment industrielle. Déplacer la culture de céréales, déplacer la culture de pommes, déplacer les élevages, les élevages de chèvres, déplacer tout et le mettre ici. Ensuite, donc, quand vous explorez une île, vous pouvez avoir un accès, on va dire, à ses ressources. Un instant. Ah, oh, décidément, je suis toujours malade. Donc là, vous voyez, j'ai de la chance, euh, j'ai 5 pierres, 4 sources et 5 gisements vides, je ne sais pas du tout ce que c'est, apparemment c'est pour des mines payantes, donc on va absolument pas s'en servir, bien entendu, hein. euh, au niveau du transport, j'ai rien pour l'instant, euh, donc une île à 5 pierres, euh, alors je vais vous partager un autre petit lien qui s'appelle le whisky, enfin euh, le Island Statistique pour moi, que je l'appelais comme ça, voilà, donc c'est un truc, c'est qu'il n'y a pas de, je ne rien rentrer là-haut pour l'instant, voilà, euh, qui vous montre en bref la probabilité, euh, d'avoir telle ou telle île en fait euh, et apparemment donc j'ai que des petits bateaux donc ici vous voyez je peux trouver donc du blé, de la pomme ou euh, du chanvre du et on peut voir que 5 pierres je n'avais que 17% de les trouver, 17% de chance de trouver donc une île avec 5 pierres euh, j'ai appris également que pour évoluer vers euh, les marchands ça va prendre un paquet d'as de pierres euh, donc ça serait vraiment un surplus de production euh, franchement agréable d'après ce que j'ai compris après si pierre j'espérais pas voilà je vais relancer des petits bateaux comme ça d'exploration histoire de m'amuser parce que euh, j'aime bien moi explorer les îles qui m'entourent tout ça voilà euh, donc de temps en temps bah, comme ça vous aurez euh, directement le compte rendu de l'exploration tout simplement vous pouvez voir que tout le monde est occupé pour très longtemps. Une demi-heure ici, j'ai pas à l'attendre. Hein, voilà. Et donc, ben voilà qui va, on va dire entre guillemets, donc clôturer cette première partie d'épisode très courte. C'est qu'on faisait un petit point sur la situation actuelle. Et donc, ben je vous reprends dès que j'ai du nouveau à savoir demain. Allez, à demain, les gens. Et re tout le monde, donc nous voici le lendemain, le 27 mai 2014, 21h22, euh, après avoir subi un gros bug d'Ubisoft, enfin du euh, truc Ubi là qui empêchait toute connexion alors que je pensais tourner à 17h30. Euh, donc ici ça n'a pas évolué et nous allons découvrir ensemble la nouvelle île qui s'appelle Rosbach. Oh Rosbach euh, bon sur laquelle j'ai déjà construit un chantier de bûcheron et un chantier de pierre ce matin et sur laquelle également bah, j'ai déjà acheté une amélioration pour avoir plus de vue, hein, voilà, pour avoir un plus large territoire oh yeah donc comme vous pouvez voir, euh, on est full en bois, on est full en pierre voilà, ça, ça va dégager illico presto oui Et donc nous allons faire du chanvre, du chanvre nous voilà On va le faire ensemble bien entendu, donc vous pouvez voir ici que j'ai encore deux trucs de pierre. Euh, parce que donc pour mémoire, hein, cette île dispose de cinq emplacements de pierre que nous allons exploiter à mort des chez mort. Ensuite donc bah, j'ai fait les petites cuts, ce qui fait que j'ai que 208 000 or. Euh, il m'a obligé à mettre en place donc euh, une route naritime. Parce que j'ai construit un petit transporteur, hein, comme je vous l'ai dit. Où est-ce que je trouve ce truc-là, moi J'en ai aucune idée. Marou, voilà, transport. Donc, petite route maritime qui, qui euh, prend donc euh, le chambre de Rosbach et qui la ramène à Newport, hein, tout simplement. Après, j'annulerai si je mettrai également la pierre, bien entendu. Hein. On va pas laisser tout ça se perdre. Euh, certainement, d'ailleurs, avec un deuxième navire transporteur, puisque j'ai tous les éléments pour le faire. Alors, ma première interrogation, c'est combien de places euh, ici un champ de chanvre prend-il, vu qu'on peut les déplacer, j'ai pas me gêné, j'ai le foutre au milieu. Oh mon vieux sac euh, Alors. 1, 2, et au. 3, 4 et au oh, 5. D'accord, ce serait pas mal de les faire en ligne comme ça, hein Moi je dis ce serait pas mal. Au final, c'est tout ce qu'on demande du chanvre. Hein euh, du coup je, pas, pas, encore des, pas encore de la pierre parce que vu la pierre que ça coûte euh, on va éviter pour l'instant donc on va se rattacher à ici ouais on va essayer de faire tout en ligne en fait allez du coup lui je le déplace je vais le mettre ici en oh, voilà et on va attaquer donc 1 on va les faire tourner un petit peu aussi 1 2 3 4, ah ouais, 5. Voilà, donc il a ses 5 chambres. Allez, on va dépenser tout notre blé là-dedans. Hein, voilà, hein. Euh, tant qu'on peut en faire, on en fait. J'ai également construit directement un petit entrepôt parce que voilà, j'ai jugé qu'il me fallait un entrepôt immédiatement sur cette île. Euh, parce que sinon, bah, je trouvais que voilà, c'était pas pas bon. 1, 2, 1, R. R45 Voilà, allez, on va encore en mettre un en place. Donc voilà, nous faisons nos premières cultures de chanvre. Euh, après, pour le reste, c'est pas très grave hein, si ça protraîne un petit peu. Hein. On va faire comme ça. Voilà, hein. ah, vous pouvez voir que le chanvre prospère. Il va prospérer chez moi. Moi, je vous dis que ça va prospérer cette histoire. Euh, demain, entre guillemets, euh, certainement hors caméra, parce que je ferai ça demain matin du coup. Euh, je mettrai en place euh, l'industrie textile permettant de transformer tout ça euh, en vêtements. Donc ça, ça produit en 10 minutes 30 un chanvre. Bah, tant bien, mon bateau, il met un petit peu 15 minutes à faire les, 15 minutes à faire le retour. Donc bon. Lenteur extrême, s'il vous plaît. Oh j'ai 42 400 et ça coûte 42 000 mais je vais les garder. Je vais les garder parce qu'on va retourner sur la première île, on va faire un petit navire de transport. Donc ici pour l'instant nous n'exploitons pas encore la pierre. On peut voir que j'ai bah, plus beaucoup de bois et la pierre bah, ça va grimper tout seul. Euh, j'ai vraiment pas la place de mettre des bûcherons et trucs comme ça. À la limite j'avais la place ici, mais bon je la prends. Je suis le sac, je la prends. Euh... Ah bah au final tiens troll 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 ça coûte que de l'or ça donc on en profite un petit une petite cabane de bûcheron au milieu là histoire de refaire les stocks de bois et terminé et voilà donc nous avons quatre premières plantations de chanvre euh, ce qui coûte horriblement cher vous l'avez peut-être vu hein enfin, je pense que vous l'avez vu oui euh, l'air de rien ça coûte donc 42 000 or 55 bois 60 pierres euh, moi je veux savoir où elle est la pierre quand même moi, moi moi je veux savoir où est-ce qu'ils ont mis la pierre. Parce que là c'est du bois, c'est du bois, c'est du bois. Ah là, 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 regardez là, là, il y a un tout petit liseré en pierre. Non mais attendez, 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 Le truc c'est euh, 55 bois, 60 pierres. Logiquement ça va être un tout petit liseré en bois et pas un tout petit liseré en pierre. Hein Dites Non mais euh... Non mais moi je dis foutage de gueule hein, là, 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 là. On leur donne de la pierre, ils l'utilisent pas ces gens-là hein. Je sais pas où ils l'ont mis, moi. Moi, franchement, je sais pas du tout où est-ce qu'ils ont mis la pierre. J'aimerais d'ailleurs beaucoup le savoir, hein. Donc, mes amis, si vous savez où est-ce qu'ils ont mis la pierre, bah écoutez, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la vidéo pour me dire où est-ce qu'ils l'ont casé, parce que moi, je la vois pas. Voilà, moi, 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 je la vois pas. Hein, voilà. Ensuite donc retour sur Newport s'il te plaît. Hop là on a espéré que ça va pas encore bugger. parce que alors aujourd'hui c'était la fête du bug hein. Wouhou en même temps c'est un petit peu normal peut-être je sais pas. Donc nous allons construire un petit transporteur à nouveau. Ah ça coûte 60 000 euros Oh les 60 000 euros de la décrépitude la plus totale. En fait je voulais amener d'ici donc de la pierre à... Je suis bête j'en ai là plein de pierre et plein de bois. Bah ben oui, j'ai 200 bois ici et 100 pierres. Voilà, ouais, à la limite, je ferai ça. Du coup, j'ai un matelot parce qu'il m'a demandé d'acheter un matelot. Oh Le matelot de la... De la plénitude la plus totale. Hop, on va récolter un tout petit peu les différentes tas de pierres et tas de bois qui traînent par-ci par-là. Ce qui va s'ajouter en bas dans notre trésor de guerre. Euh, qui nous permet de faire un petit peu ce qu'on veut. Voilà, hein. toujours du stock ainsi. Euh, au niveau bah, des stocks c'est tout plein, voilà, il y, a, y a, pff, voilà, voilà. moi je sais plus quoi en faire, hein. même des pommes. Je suis même plein en pommes. Bon ici c'est normal que je sois plein. Euh, après ici donc j'avais plus rien, je vais arrêter parce que j'en ai 10 de chaque. Euh, ouais j'en ai 20 et 10 de chaque. Donc bon ça va quoi. Euh, je suis pas du tout à plaindre là-dessus. Au niveau du garde-manger, on va refaire un petit peu euh, quelques trucs comme ça. 540, un jour et 6 heures, non peut-être pas, on va éviter. Euh, alors il est 9h, je me lève à 5h, ça fait 8h. Allez on va dire 7h. Voilà. Ouais, ouais, 7h c'est... Ouais. Même si ça fait 9h, je me mets que pour 7h. Comme ça demain je serai toujours à temps d'en relancer. Hein. Puis on sait jamais, des fois qu'il y a une évolution mystère et surprise qui arrive. euh bon donc ça c'est mon petit bateau d'exploration. Je sais même pas comment je vais faire pour m'en débarrasser de ce truc, parce que du coup oui je voulais pas montrer, mais euh, pour passer le niveau, il faut passer le phare au niveau 2. Il n'y avait pas d'évolution hein. au niveau design, ça reste la même chose, ça reste une petite tour médiévale au milieu d'un rocher avec un escalier qui plonge dans l'océan parce que oui, le mec va rentrer à la maison il passe par un... En fait, il y a une galerie là, 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 qui arrive sur l'île quelque part à la capitainerie. Voilà, euh, il y a donc... Euh... D'où l'intérêt également de mettre la capitainerie plus proche du port, ça réduirait les détentes... Non. non, mais oubliez, oubliez, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, voilà. Donc, passer le phare niveau 2 permet d'avoir jusqu'à 8 navires. Euh, donc moi j'en ai trois à l'heure actuelle. Hein. J'ai mon navire qui cherche des trésors, qui m'a d'ailleurs ramené euh, tout récemment donc euh, du pain. Euh, je sais pas où il est, 20 pains voilà. C'est un truc qui m'a ramené. Juste avant il m'a ramené ça, euh, des vêtements donc bon, c'est pas mal. Hein, ça permettra de pallier un petit peu euh, manque de stock. Donc bon je suis plutôt content de ce qu'il me ramène. Il y a pas de souci là-dessus. Euh, après donc nous avons le navire de transport qui va faire la liaison. Voilà elle est ici ma route, je vais même pas renommer le truc moi vous savez euh, j'étais en train de faire le tutoriel machin là hop 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 euh, là chip 5 c'est un transporteur je sais même pas comment on peut le voir ouais Ship 5 c'est le transporteur ouais bref je sais pas trop comment on peut le voir mais c'est pas grave donc j'ai créé la route de maritime je sais même pas pourquoi elle m'a pas validé la quête hein. et là donc eh ben, placer une plantation de chambres c'est fait ah oui ah oui d'accord oui ah oui oui j'avais pas vu j'avais pas vu ça j'avais j'avais pas vu ça ah, là, il y a la récompense, du coup. Yuppie! Hop, 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 hop. Voilà, ça c'est fait. Placer 5, bah, commencer, hein, voilà, hein. Hop, récompense. Voilà, hop, hop, hop. Ah, J'aime bien, moi, ça. En plus, ça me rapporte. Ouh, 45 000 or, ça me rapporte. Wouhou! C'est la fête. Placer une cabane de tisserand. 30 000 or que ça rapporte. Bah, écoutez, la cabane de tisserand, on va la placer ici, hein, parce qu'après tout, c'est ici qu'on va en avoir besoin du truc donc cabane de tisserand juste à côté de la capitainerie après on déplacera hein, comme je vous dis hein. euh, allez paf voilà ça c'est fait cabane de tisserand ouais récompense 30 mille heures ah oh, c'est bien là là c'est bien déjà là j'aime bien moi ça d'avoir les récompenses comme ça allez la suite la suite la, la suite non il n'y en a plus oh boss bah, c'est dommage t'es bien parti moi j'aime bien avoir des récompenses comme ça voilà, quoi. Quand vous voyez que j'ai tellement, j'ai tellement, 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 tellement de bois et de pierre là-dedans que... À part si la pierre, elle est partie à l'autre île. Hein? En ces cas-là, ben, <laughs> je me suis fait baiser. Euh, la commande sera se rend, mais trois minutes 30 pour transformer un chanvre en un vêtement. Eh, what? Ce qui veut dire qu'il faut trois champs de chanvre, à peu près, hein, à une, à une mouche près. Euh, non, d'ailleurs c'est ça, ça fait euh, oui, ça fait 9,90, euh, donc ça fait 10, euh, enfin 10 minutes 90, euh, donc ça fait 10 minutes 30 euh, pour, euh, on va dire, amortir une cabane de tisserand. Attendez, attendez, Je ne sais pas si j'ai été bien clair. Alors, on va retourner sur la parallélie, là, ici. Et du coup, c'est que tout a été plat, bien entendu, c'est est que ça a, ça a atterri. Hein. Euh, donc ça, ça produit en 10 minutes 30. Il en faut 3. Pour alimenter un hein euh, faiseur de tissu, faiseur de vêtements. Bah écoutez, c'est bon à savoir. Moi, moi je dis c'est bon à savoir. Hein ah, Il aurait été bien de le préciser avant, je pense. Ça serait bien qu'il y ait des temps de construction. Oh, mon bateau transport. voyez, mon navire de transport, il est là. Il est là, il est là, il est là, mon petit navire de transport. Vous voyez, paf, il va charger la marchandise. Euh, il est d'avis qu'il n'y en a pas à l'heure actuelle. Hein. Ah non, il n'y a pas encore de chambre. Non, il n'y a pas de chambre encore. Je pense, hein. Enfin, je sais pas. On verra bien. On verra bien s'il me ramène quelque chose, hein. Voilà, hein. On va regarder ça ensemble pour voir. Un petit peu. Les jding, ici, ça sert à rien de les chercher, hein. Non, ils transportent rien, apparemment. Ah, ici, ils apparaissent pas, les jding, euh, Les jding. Euh... Voilà. Ensuite, donc, pour débloquer ça, il faut 496 000 or. Et pour débloquer ça, il faut 548 000 or. Euh, donc voilà. Hein. Je suis content déjà d'avoir trois pierres visibles. Uh, ce qui va m'aider un petit peu à accélérer. Alors, vu qu'on a de l'or en ras, bah, on va produire encore et encore du chanvre. Uh, du coup, de ce côté-là, je pense... Hein, voilà, hein, pauvre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, il faudrait que je le fasse pour aller bien. En fait, je pourrais même faire le thé ici. Ouais, je pourrais même faire un thé ici. J'ai 5 places. Uh, ce qui sera amplement suffisant. Hmm. C'est une idée. Je sais pas si elle est bonne, mais c'est une idée. En fait, je veux pas, je veux pas aller se faire le bois. Après, bien entendu, je déplacerai, je foutrais un petit peu plus haut, un truc comme ça. Mais quand j'aurai plus, euh... déjà, quand j'aurai un navire de transport efficace. Oh, Les champs de chanvre au bord de l'océan. Voilà, ça, c'est fait. Hein Moi, je dis, ça le mérite. Après je pense qu'on va y mettre également donc un truc de transport parce qu'à mon avis ça va être un petit peu euh, un petit peu la mouise ici hein J'hésite à te mettre là mais ça sert à rien puisqu'à la capitainerie qui a deux charrettes Ouais non ça sert à rien Non non c'est la capitainerie qui va tout ramasser L'entrepôt il n'est même pas relié à la route voilà ça c'est fait euh, Pour l'améliorer il me faut 150 bois pour à passer un entrepôt niveau 2 ce qui serait bien que je fasse en fait euh, 10 000 or 150 bois 50 pierres bah écoutez, je pense que demain matin, quand je passerai sur le jeu, hein, euh, j'améliorerai directement ça en entrepôt niveau 2, euh, voire entrepôt niveau 3, parce que d'ici là, là-haut en or, je serai complètement plein. Euh, ça sera de l'or dans tous les sens. Euh, vu que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, il me faudrait construire une deuxième sur nuport Je sens que des allers-retours comme ça, mais on va en faire plein Mais plein, ça va être les allers-retours de la désuétude. Ouais, j'aime bien utiliser des mots un petit peu... Euh, classe euh, Bref, donc, est-ce que j'ai les moyens d'en faire un deuxième Non, ça coûte 45 000 ors C'est dommage, j'aurais bien foutu une deuxième là, paf Puis en même temps, ça m'aurait permis de me servir un tout petit peu des stocks immoraux que j'ai ici, parce qu'alors... Ici, quoi, à peine je construis un truc, paf, le truc il est plein tu sais. Non mais what Ouais, je récolte ces trucs, en fait, uniquement pour les mettre dans l'inventaire, hein, faut pas croire, hein. d'ailleurs, regardez, je vais tout fusionner, boum, voilà euh, comme ça, donc, au final, nous avons toujours 97 pierres. Hein? Ah oui, oui c'est vrai que c'est parti sur l'île secondaire, c'est vrai. Donc, on a 87 pierres, 161 voix, c'est bien. C'est beau, c'est bon, ça sent, ça sent. On a 5, on a du lait aussi. Oui, on a du lait, pourquoi pas, on a un petit peu de lait. On a donc des gâteaux pour améliorer nos amis, d'ailleurs, en parlant d'amis. On va aller faire quelques petites visites aujourd'hui. Regardez-moi celui-là, là. là. Donc celui-là, Terre 56, là c'est un grand joueur, grand grand fan de Hano. Hein Regardez-moi ce goré un peu. Il m'a copié Copiteur Ah, lui il a foutu une explosion de céréales ici et de exploitation de pommes mélangées. Oh ça donne un style Moi moi je dis que ça donne un style, hein, ça là ça donne un petit style, hein, là hein. C'est dommage qu'on ne puisse pas consulter les stocks sur place. Oh il a amélioré sa cabane de bûcheron. Ça veut dire qu'il a peut-être besoin de bois cet, cet homme alors ici il n'y en a plus de cabane de bûcheron et sinon ils ont tout amélioré. Donc ben voilà. Moi je suis mal à quoi sert celle-là, mais c'est pas grave. Ah. Oh le tailleur de rubis sur la côte. Il faut aller faire un casse. Moi moi je dis il faut aller faire un casse, là. Là là là, moi je dis là là, il faut les faut vraiment aller faire un casse. Hein. Euh, vous pouvez pas effectuer cette action sur cette île. C'est dommage parce que si j'avais pu lui récupérer les marchandises, moi moi j'aurais pas été contre. Hein. Là là là, c'est sûr. Hein. Hop là, un truc. Euh, Mec qui transforme ses rubis non taillés en rubis taillés, il y, y a un enfoiré de mon espèce qui passe par là. Hop <laughs> Ça, c'est dans la poche. Ouais, ce serait... Le mec Le mec Bref. Donc on peut voir qu'il progresse grandement, il a fait tous ses vassaux ici. Bon, euh, moi je le conseille pas. Pas forcément, voilà. D'ailleurs, au niveau des rubis, euh, j'ai oublié de le dire, mais économisez-les impérativement. C'est absolument impératif, hop là rentre à la maison Léon, parce que donc ces rubis ici vous permettront d'acheter ce premier slot deal qui coûte 2490 rubis. Ouais ouais ouais, donc économisez-les, gardez-les précieusement, ne les dépensez sous aucun prétexte. Euh, tout ce qui peut s'obtenir avec le temps s'obtient avec le temps. Il vaut mieux attendre entre guillemets euh, que de faire euh, l'andouille avec ses rubis en achetant des décorations ou encore pire du bois. Parce que le bois, ben c un... ah là. Il faut juste attendre d'avoir du bois, quoi. Hein. Euh... Regardez moi du bois. J'en ai tellement que je vais certainement raser tout ça, tous ces ateliers de bûcheronnage ici pour ne garder euh, que ces deux là pour l'instant, parce que ou ces trois là pour l'instant parce que j'en ai vraiment trop, quoi. Euh... Donc surtout, 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 surtout euh, garder, conserver soigneusement vos rubis, parce que ceux-ci vous seront très utiles par la suite, soit donc, en achetant dans un premier temps donc la nouvelle île, soit en achetant l'amélioration du tailleur de rubis, qui permet d'avoir donc pour un rubis non taillé, un rubis taillé, attention parce que c'est long, quand même, ça prend quasiment 5 minutes pour avoir un rubis, euh, donc ça fait, pour 10 rubis, ça fait 50 minutes, pour 100 rubis, ça fait 500 minutes, et je pourrais comme ça allonger grandement, hein. euh, ce qui m'amène à la deuxième observation, dans le cadre euh, des rubis non taillés, hein, les grands sacs de rubis non taillés, euh, c'est bien de les acheter. Hein, 72 000 rubis, vous en avez juste pour 18 ans à les transformer. Donc pensez bien que si vous achetez ça, vous êtes obligé de jouer pendant 18 ans. Hein oui, 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 oui. Ah non, moi je dis ça, je dis rien, hein, mais 18 ans, quand même, quand même, quand même, quand même. Hein, quand, quand même. Voilà, moi je préfère acheter euh, rien du tout en fait, parce que j'utilise pas mes rubis du tout. Ah, le seul truc pour lequel j'utilise euh, le, le bazar, c'est quand je peux acheter avec de l'or, vous voyez ici pour démarrer ça, 6000 or, pour du bois, euh, quand on démarre le jeu, de l'or, on en a à foison qu'on sait pas du tout quoi en faire, ben bah, vaut mieux acheter les 5 unités ici disponibles de vieux bois à 6000 or que d'acheter des tas de bois à 50 rubis. Parce que des tas de bois à 50 rubis, excusez-moi, mais 50 rubis pour 100 bois <laughs> Moi je dis ça, je dis rien, hein, mais <laughs> bref. Bon donc 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 qu'est-ce qu'on va faire maintenant Bah ben voilà là, là on a mis en place euh, la nouvelle île, je vous l'ai montré. Ah, je vous ai montré Roseback, voilà. Je vous ai également dit que j'avais déjà découvert une première zone, parce que sinon ça s'arrêtait un petit peu là, voilà, ça s'arrêtait là en fait. Ah là là, là c'était fini, là, là, paf, tu vois, parfait, truc. Euh, juste avait les positions de pierre ici visite directement, mais sinon ça s'arrêtait là. Hein. Donc toute cette partie-là a été découverte pour... Euh, un truc genre 200 000 or, ou un truc comme ça. Euh, bref, un truc de voleur. Euh, ici, donc, je... c'est drôlement bien pour mettre en place donc l'exploitation de pierre hein. Voilà. Ensuite, petit conseil au niveau de votre première île à chanvre. Euh, vous pouvez voir que ça coûte la peau des fesses. Je euh... <laughs> pas remarqué quand je suis passé de 350 à 230. Woohoo bref. Donc, pour l'île à chanvre, en toute franchise, prenez vraiment la première qui passe. Hein. Parce que c'est une île, ça, c'est une petite île d'abord. Donc déjà, elle euh, vous servira au début, mais ensuite, rapidement, on va débloquer les îles moyennes. Euh, et par la suite, il sera quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rentable d'utiliser ces slots d'îles, soit sur des îles moyennes, soit sur des grandes îles. D'ailleurs, moi, je pense que je vais attendre d'avoir de grandes îles, afin de pouvoir au maximum me développer. Quoi. Euh, et après, donc, jeter tout ce qui est petite île et île moyenne, pour ne prendre vraiment que des grandes îles. Hein. Euh, vraiment que de ça, que de ça, que de ça. Parce qu'il y a que ça qui est intéressant, voilà, j'aime bien, j'ai des, des rêves de grandeur, je veux de l'espace pour euh, gambader. La euh, bon, suite, je vais l'oublier parce que euh, je suis un peu fatigué, donc bon, j'ai des idées qui dérivent un petit peu, c'est pas grave, hein, c'est pas, pas grave, ça va passer, hein, pro, pro, je vous promets, la troisième séquence vidéo du, du cinquième épisode, elle sera, elle sera beaucoup plus calme, hein, là, ouais je vous promets. Enfin, sauf si vous aimez ça, hein, c'est que là, moi, je m'arrange des couches, des à ou hein, oula <laughs> Bref. Donc on a vu tout ça, on a vu ça. bah ben, écoutez, on va se reprendre. Euh, donc par la suite, euh, atteindre un solde positif. Non mais t'es un, un peu compte. Ah j'ai un solde positif, merci. Oui, non mais ça euh, rien. Des fois il y a des quêtes comme ça, on se demande d'où elles sortent. Euh. Bref. Euh, donc pour la troisième séquence vidéo, ben, je vous montrerai un petit peu la suite, euh, à savoir donc ben, vraiment la gestion des routes maritimes. Parce qu'à mon avis, à mon avis, hein, à mon avis, j'ai dû me planter quelque part. C'est même, même obligatoire que je me sois planté quelque part, sinon c'est pas drôle. Hein. là, voilà, je parie que le navire de transport il va arriver ici. Je sais pas pourquoi, mais je, je sais pas pourquoi, mais je le, je le sens comme ça. Moi, moi, je dis, je le sens comme ça. Vraiment, je le, je le sens comme ça. Hein. Je sais absolument pas pourquoi, mais je le sens comme ça. ne peux pas modifier les routes, après, c'est dommage. Ça, c'est quelque chose qui est dommage. Je trouve ça dommage, ouais, ouais, ouais. Après, donc, ben. On... On peut également découvrir la ressource de Newport, on peut faire de l'espionnage, on sait qu'il y a quatre sources, on sait qu'il y a deux sels, 16 gisements vides, euh, trois pierres, deux minerais de fer, une fourrure et un charbon. Donc bon, oh, c'est toujours bien intéressant à savoir. Même si on sait pas à quoi ça va nous servir, hein, voilà, ça c'est dit aussi. Bref. Allez donc ben, je vous dis à très bientôt pour la troisième partie de l'épisode numéro 5, euh, qui sera filmé je sais pas du tout quand. Quand j'aurai quelque chose de bien à montrer, certainement, hein. Ça vous fera un long épisode de plus de 30 minutes, c'est bien, parce que voilà. J'aime bien faire plus de 30 minutes. Ça prend juste 15 heures à upload, c'est pas très grave. Je commence un matin à 5 heures du mat, c'est hébergé le lendemain à 5 heures du mat, c'est très bien. Ça me permet d'héberger de, de un épisode par jour, non? Tant pis. Bref. Allez. Je vous dis donc à plus tard, les gens, et puis, euh, et puis portez-vous bien en attendant, même si vous m'entendez pas, et si pour vous, ben, l'épisode sera la suite. Donc, ben, je vous dis à tout de suite, hein. Voilà. Voilà. Comme ça. Allez. À tout de suite. Et re, les amis, nous sommes le surlendemain, le 28 mai 2014, 23h50, oh yeah. Donc, voici Rosbach, petite île à Chanvre, euh, où c'est qu'on plante le Chanvre. Hein, voilà, hein, je pense que vous le savez maintenant. Euh, donc, vous pouvez voir que je suis passé à euh, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 chanvreries, hein me semble, attendez, je contrôle là. Voyez, ouais, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh yeah! 9 euh, chanvreries qui produisent toutes les chanvre, euh, Les stocks de chanvre bah, évoluent grandement, 90 ici. Euh, J'ai pas regardé ce que transportait mon navire de transport, mais c'est pas grave. Euh, et on va retourner sur notre île principale afin de faire enfin. Donc vous pouvez voir que j'ai attendu d'avoir tout au max. Hein. Tout tout, tout, tout. hop là, tu viens là. Euh, enfin, 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 le premier marchand, ils veulent tous évoluer. Regardez-moi ces stocks. 116. Vêtements en lin, 420 champs, c'est normal, je produis plus que ce que je namasse. Euh, tout est plein, archi plein, super plein. L'inventaire, il est plein J'ai un petit navire de transport ici qui va servir pour la pierre. On a du pain, on a de tout, on a de tout là-dedans. Tout, hop, on peut pas les trucs à fusionner, non Ah si, y a peut-être des trucs à fusionner. Voilà, a les trucs qui ont fusionné, le pain notamment qui a fusionné. On a 80 000 or en réserve. On sait jamais, ça peut servir pour le jour d'isette. On a quelques éléments de décoration, notamment un sanctuaire et des et de coins que je garde pour bien plus tard, bien plus tard. Et mes amis, il est temps. Il est grand temps de découvrir ce que... 100 pierres va me coûter. Paf En oh, premier marchand récompense. Oh yeah! pof, pof, pof. Oh yeah! Petite ville! On a toutes les récompenses en même temps! C'est trop fun, ça. On a débloqué donc le grand marché! 75 outils! What?! Eh hey, mais ils sont fous les gens là, ils sont... Non mais attendez, 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 attendez... attendez. 75 outils Donc on a, décou... on a débloqué la fonderie de fer qui coûte 95 000 or et 210 pierres. On a débloqué l'atelier d'outilleur qui coûte 85 000 or et 185 pierres, je compte pas le bois. Hein. On a débloqué la mine de fer à 320 bois et 135 000 or. Non mais c'est... Le siège de guilde, 300 bois, 300 pierres, mais bien sûr euh, Ainsi que le grand marché, donc ça le grand marché je suis plutôt content. Voilà. Les marchands nous rapportent plein de que ce qui s'est passé là, les trucs qui filent dans tous les sens, c'est normal. Niveau 13. Oh yeah Le 13, le chiffre porte bonheur par excellence ou porte malheur selon certains, voilà. 65 rubis de plus, euh, quelques petites pièces en plus. On accepte bien entendu. Et quelle va être notre nouvelle mission Accueillir une population d'au moins 250 marchands. Euh, vu le coup en pierre du bordel, euh, je crois qu'il est temps de mettre en place une industrie de pierre. Hein, voilà. Donc les résidences de marchands sont franchement superbes. C'est dommage qu'on puisse pas faire tourner le truc. Euh, attendez. Et là j'ai la résidence de marchands, vous la voyez, R. R. Oh marche pas, on peut pas faire pivoter. Oh c'est dommage. C'est bien dommage qu'on puisse pas faire pivoter ça. Et donc on a tout débloqué, on a 10 outils ici. Il y en a 10 quelque part dans mon introventaire, ah, parce que j'en ai gagné 10 juste avant. Je sais pas du tout où ils sont passés. Oh, ils sont partis. Euh, on a une salade. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon, c'est bien des salades, hein. voilà. Hein. Ah, on a plein, plein, plein de trucs, c'est trop bien. Ah, 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 ah. Et on va pouvoir enfin exploiter ce minerai de fer qui me tend les bras depuis tant de temps. Alors, voyons voir ça. C'est où C'est ici. Donc il faut des brûleurs à charbon ou des mines de charbon. Je pense qu'on a le brûleur à charbon, voilà. Euh, comment fonctionne le brûleur à charbon Utilise de bois pour produire du charbon de chauffage. Ça mange 150 bois. Ben C'est bon, la mine de fer geler le marchand là, qu'est-ce qui m'embête Ça y est, j'ai un marchand, t'as vu, là j'en ai, ai, ai même 24 des marchands. Ah, hein, donc tu me débloques ça de suite, hop, hop, hop. Vous n'avez pas de succès nécessaire pour cette construction. Bien, donc je dois avoir un marchand. J'en ai 24. À mon avis, là, 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 il y a un truc, hein. Euh, le prix pour faire un marchand est énorme. Attendez, un marchand, quand il me dit un marchand. C'est quand même pas ce marchand-là. 255 000 or. Je n'ai pas, je ne peux pas stocker 255 000 or. Je suis limité à 250 000 or. Hein euh, donc apparemment, il va falloir que je fasse évoluer, hum, évoluer donc, bah, les différentes euh, maisons en résidence de marchand pour en avoir 250. À coût de 100 pierres chaque fois. Euh, donc 10, ça fait 240, ce qui fait 1000 pierres. Hein. Il m'en faut donc 11. Il me faut donc 11 maisons de marchands pour acheter un marchand à 255 000. Mais j'ai pas 255, je peux peut-être évoluer le trésor euh, Non, le trésor il évolue pas là. Il faut voir quoi, il faut avoir deux, il faut avoir un marchand. Il y a un truc que je comprends pas là. Il y a, il y a un truc que je que je comprends pas. Là 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 là. Là, il y a un truc que je comprends pas. Hein donc vous savez quoi les gens Ah ben il est temps de vous le présenter. Hein, voilà c'est euh, c'est le truc. Voilà tac. Canal aide. Il est là le canal aide. Hein, Attends on va déployer ça. Ça sera plus euh, truqué. Vous pouvez voir que j'ai du monde en ligne. Oh. Euh, bon. Le canal aide. Ici donc avec le petit point d'interrogation vert. Hein, euh, c'est quelque chose qu'on fait en fin d'épisode. J'aurais dû le faire en, en début d'épisode mais c'est pas grave. Euh, c'est le canal pour demander de l'aide. Voilà. Donc on commence par la formule de courtoisie. Bonjour à tous bonjour tout court d'ailleurs, voilà, euh, je cherche à savoir comment on obtient un marchand. À savoir que j'ai une maison de marchand, donc j'en ai 24. Euh, j'ai regardé pour acheter un marchand au bazar, mais euh, ça coûte 255 000 pièces d'or. Or, je ne peux en stocker que 250 000. Et il manque un zéro. Euh, C'est quoi le truc <laughs> Parce que là, là j'avoue que là, là je me pose la question quand même. Hein. Moi, moi, moi je veux pas dire, j'achète un marchand sans souci, hein. Mais là, là, je me pose quand même la question, hein, voilà, parce que euh, je comprends pas. Hein, purement et simplement, voilà, nous avons 24 marchands, oui. Oh yeah. On a également, donc vous le voyez, hein, 39 encore, droit d'émancipation. Euh... Donc là c'est quoi le truc là C'est quoi le truc J'ai un coup de lac c'est quoi Non si je laguais en vérité je pourrais pas ramasser ces trucs. Là je peux ramasser ces trucs. Euh... Non 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 marchand. Je peux pas faire de mine de fer. Je peux pas faire de mine de fer. Alors que je les ai débloqués. Je les ai... Oui, mais oui, mais il coûte 255 000 pièces d'or et j'en ai que 250 000. Non, mais ils sont cons, ou quoi J'ai euh, 1500 vassaux, le lin, tout ça. J'ai fait évoluer une maison de marchand, donc j'ai 24 24 marchands sur mon île. Mais pour améliorer le trésor, il me dit que il me faut un marchand. Un marchand. Euh, et là, je comprends pas. Là là là, moi je comprends pas. Hein. Euh... Non mais ils sont quand ou quoi euh, il lise pas ce que je réécris. Un... Oui, il faut savoir se répéter un petit peu. Voilà, là, 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 là. là, là. J'ai une résidence de marchand. Une résidence de marchand. Souriez, vous êtes filmé. <laughs> Fou dans une maison. Non, mais il est con ou quoi? Euh. Non mais non, c'est pas la dernière ami parce que là ça sert à rien. Là, 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 là. Là, 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 ça sert à rien. là, J'ai expliqué. Donc je reprends. Hein Je reprends. Alors le lin. Non mais là il se fout de ma gueule. ah là, 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 là. J'ai 122 vêtements de lin. J'ai 122 vêtements de lin. J'ai fait évoluer une maison. En résidence, danse de marchands. Euh, il me dit que pour construire une mine de fer, il me faut un marchand. Euh, je sais pas pourquoi. Pourquoi euh, Et euh, ça reste en rouge. Hein Là, on est d'accord. Hein. Il fait une maison en au marchand. Il m'a dit que pour construire une mine de fer, j'ai me faut un marchand. Je sais pas pourquoi ça reste en rouge. Hein, là, là, on peut dire que ça reste en rouge. On est d'accord. hein. Là, un marchand. En plus, il met un S, un marchand. Oh, la faute d'orthographe. Euh, bref. Euh... <laughs> tu as buggé. Recharge le jeu. Bon, bah ben, j'ai bugué, les gens. Voilà. Voilà 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 ok sympa pour la vidéo Ah oui il faut attendre cinq secondes aussi entre chaque message hein. Ah oui parce que sinon c'est pas bien D'accord merci euh, bon, ben les amis, c'est sur ce bug étrange euh, que la vidéo va s'achever. Hein, moi de mon côté, du coup, je vais construire la mine de fer et tout ça. Hein, voilà, c'est une étape que je vous montrerai pas, mais c'est pas grave. Hein, ça fonctionne comme les autres mines, vous le voyez. Hein, voilà, euh, voilà, 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 voilà. Ben vous savez quoi, on va actualiser. On va la faire notre mine de fer si on peut. Hein, voilà, donc on actualise la page. Oui, 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 on actualise la page. Oh, il m'a dit, il m'a viré! Non, il m'a viré! Encore un truc à masquer. Oh! J'aime pas mettre des dans le truc, là, purée. Oh, c'est du, ça, ça, ça. Non, en fait, il m'a viré. Ouais, mais c'est bon, j'ai compris, il a bugué parce qu'il m'a viré, le mec. Vous avez vu comment il est avec moi? Il me vire comme ça, paf! Tu prends la porte, un gros coup de pied dans le derrière, sans déconner, j'ai encore un trace de la semaine sur la face droite. Non, mais je vous jure. Non, mais c'est pas normal, moi, je dis, c'est pas normal, si, c'est normal en même temps. Un, un, un petit peu 4 heures que je t'ai connecté pas en attendant d'avoir les ressources, d'accord euh, Mais bon, c'est pas une raison, hein, si c'est une raison. Bon d'accord, c'est une raison. Alors là, là, là il m'a viré, il m'a viré. Hein. Lustrage du safran. Moi, je veux pas dire, hein, mais, je veux pas dire, je veux pas dire, mais en effet, le safran se lustre. Euh, donc pour ça, il faut un fer à lustrer, hein, bien entendu. Oui, en fait, j'essaie de me bleurer en racontant des conneries, hein, pour ceux qui auraient pas compris. Voilà, là. là, 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 là. Ah, ok. Donc il me remet là carrément le mec. Ah, donc j'avais bel et bien bugué, hein. Voilà, c'était bel et bien bugué complètement. Il m'a même pas mis le son. Eh oh, le son. Il m'a même pas fait les sons, ouais. Ah, les sons, ils sont là. Hop, paf, tous, tous d'un coup. Oh, le sac. Bon, et maintenant, est-ce que c'est débloqué Toi, tu te caches. Toi, tu te caches. Euh, Est-ce que la mine de fer est débloquée <laughs> Moi je me la Là, 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 moi, là, je comprends plus. Là, là, là. Ah oui, ça y est, est peut -être, ah, là, ça a peut être marché, là. Des armes accélérées sont des Ah si, si, ok. Hein, on aura même pu euh, placer un entrepôt commercial, améliorer un trésor au niveau 3, voilà, placer une mine de fer, placer un grand marché. Ça y est, c'est débloqué, je pense. Je pense que là, du coup, maintenant, c'est débloqué. Chapitre 5, Expansion Oh yeah Voilà, c'est débloqué, je peux en placer une. Ouais, ouais. Donc, vous pouvez voir le lag, hein, entre guillemets, hein, euh, qui a eu un, un gros coup de lag, je pense. Euh, du coup, on a même pas eu l'image du chapitre, je peux même pas vous la montrer, c'est dommage. Hein, on est d'accord Ouais, ça, voilà. Donc, ben, les amis, en effet, j'ai bel et bien subi un bogue. Un grand méchant bogue. Oui, moi, je les appelle les grands méchants bogue. Euh, bref, on va mettre en place notre première mine de fer. Oui, voilà. Oh, la mine de fer de l'extrême 320 bois Voilà La récompense. Paf Placer une mine de fer, c'est fait. Placer une fonderie de fer et un brûleur à charbon. Hum, je sens que c'est pas gagné. Ouh là. Ah oui, d'accord, oui, carrément. Ah, ici, c'est pas gagné encore. Hein. Siège de guilde. Entrepôt commercial. Ajouter un emplacement de commerce. Offrez de moins de port. Ah, il faut 250 marchands pour ça, d'accord. Et un embarcadère. 250 marchands également. On va garder la pierre, hein, parce qu'on sait pas à quoi encore elle va servir. Voilà, tac. On va mettre en place le petit un truc de distribution qu'on peut pas mettre en place là, c'est dommage. Oh, du coup, on va mettre là, je peux faire tourner ça. Non, je peux pas faire tourner ça. Bah, voilà. On va mettre en place donc notre brûleur à charbon. Tout on a juste assez hein. Euh, par contre de la fonderie, j'aurais jamais assez hein. Là là là, je crois que le brûleur à charbonas est placé et pour la fonderie ah, on a plus, ah oui, mais si, mais si, on a assez. Regardez, 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 les regardez, regardez. Hop, on va tricher un petit peu. 208 bois dans la face! Voilà, ça s'est fait. 84 000 or dans la face aussi, ça s'est fait, voilà. Tiens, il veut de la pierre aussi, cogné Ça devrait le faire, la pierre. Et donc, maintenant, on peut placer notre fonderie. Oh, c'est grand, la fonderie, c'est grand, moi je dis. Tiens, on va la mettre là, vu que cet emplacement ne sert absolument à rien. Voilà. Euh, ça c'est fait, ok, et donc maintenant il faut placer un atelier d'outilleur. Donc c'est 85 000 or que je n'ai pas du tout, et 185 pierres, euh, j'ai pas envie d'utiliser les 11 pierres que j'ai dans mon inventaire pour placer la pierre. Hein, voilà. euh, donc bah écoutez les amis, nous venons également de mettre en place, euh, on va dire, le premier... La, la première réelle industrie, hein, voilà, ça ça fonctionne en 5 minutes, ça ça extrait en 3 minutes, ça ça extrait en 3 minutes, donc il faut deux fonderies euh, pour arriver à suivre les quotas, je pense. Voilà, euh, on pourra améliorer ça aussi à l'occasion, de ces 4, à l'occasion, à l'occasion, à l'occasion. Notre pro commercial, un trésor, un grand marché et surtout la place d'outilleur qu'il me faut impérativement pour construire le grand marché et ainsi pouvoir changer totalement euh, l'ordre de la ville, que je ferai en time-lapse, hein, comme je vous ai dit, avec un bel accéléré, de moi en train de galérer avec toutes ces baraques, qu'il est hors de question de détruire, bien entendu, hein. ah, je pense que vous vous en doutez un petit peu, euh, afin de pouvoir bah, mettre tout ça en place. Hein. On va quand même aller remercier les gens sur le canal Head, euh, merci à tous, en effet, ça avait bogué. Voilà. Ah, histoire de leur dire merci quand même parce que c'est la moindre des politesses quand on vous répond avec la bonne réponse. Le jeu a buggé, eh ben oh, il, faut, il faut dire merci. Voilà. Donc chaque fois que le je jeu bug ou chaque fois que je bug, vous dites merci peut-être pas, attendez, attendez, il y a un truc qui va pas là, Attends, là, là. bref réfléchissez-y, répondez-moi directement dans les commentaires, donnez vos réflexions même dans les commentaires, sur cette dernière phrase que je viens de vous pondre, qui est absolument MAGISTRALE euh, mais pour ma part ça va s'arrêter là pour le cinquième épisode hein. donc euh, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça s'est déjà dit, des pouces verts, des pouces pas verts, si vous voulez mais c'est pas, pas nécessaire euh, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas également à me rejoindre sur mon Twitter, parce que j'ai un Twitter hein. euh, j'ai pas beaucoup d'abonnés, je crois que j'en ai ici mais j'ai un Twitter quand même, donc toutes les vidéos sortent sur le Twitter bien entendu. Et pour ma part, je vous dis donc à très bientôt pour l'épisode 6, qui commencera donc avec ce timelapse accéléré. De moi en train de déplacer tout ce beau bordel que sont toutes ces habitations. Et voilà. Allez les gens, je vous dis ciao au prochain épisode. Oh yeah